Je venais découvrir votre belle ville. Et je vois qu'il y a un accueil très sympathique. C'est déjà la campagne pour les prochaines élections municipales sur le marché de Saint-Orens. La maire sortante affiche avec un large sourire le soutien de La République En Marche. Nous aurons bien sûr La République En Marche sur notre affiche de campagne le moment venu, parce qu'on en est heureux, on en est fiers. Mais il y en aura d'autres qui sont compatibles avec nos valeurs, avec notre éthique et avec les projets que nous portons. Objectif pour le délégué général du parti présidentiel, créer un ancrage, s'appuyer sur des élus locaux et tenter d'attirer dans sa majorité des maires de grandes métropoles. Les manœuvres d'approche en direction de Jean-Luc Moudenque ont commencé. On va discuter dans les mois qui viennent. Hier, j'étais avec les élus du comité politique de La République En Marche. Je crois qu'il y a cette volonté de dialogue, de rassemblement et encore une fois de penser les choses au-delà des étiquettes. Je rencontrerai le maire de Toulouse prochainement. Les discussions doivent continuer, mais c'est le seul sujet que j'aurai en tête. L'avenir des Toulousains et des Toulousaines, c'est comme ça qu'on doit réfléchir. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, le maire de Toulouse a plusieurs fois exprimé un soutien à l'action du président de la République. Certains élus de sa liste ont même rejoint le mouvement En Marche. Parvenir à un accord électoral est pour eux crucial. Moi, je suis aujourd'hui dans la majorité plurielle. Et dans cette majorité plurielle, il y a le mouvement En Marche que nous incarnons très modestement au conseil municipal, mais nous existons. Si demain, il n'y a pas de convergence, je pense que beaucoup peut-être ne comprendraient pas. Le fait est, nous sommes au mouvement En Marche et nous défendrons les couleurs et nos différences. Les choses se feront ou ne se feront pas. Je ne vais pas préjuger de l'avenir. Le débat va s'ouvrir. Dans les milieux politiques de la métropole toulousaine, la recomposition est en marche. C'est là où... de la société.